That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Mais bon, on s'en fout un peu. J'aime pas trop ça. Ah, c'est bon. Yes, on est bon. En biais, parce que... Là. Voilà. Yes. Oh la vache. Ok, flèche simple. Je sais pas d'où elle vient cette flèche, mais... Ouais, ouais. Ça c'est une flèche, je pense que... Au tout début, quand on a commencé à tirer sur les loups et tout. Ah, j'ai eu peur que le jerrycan soit... ait disparu. Ça va, jerrycan? Plus jamais je te laisse, t'inquiète pas. Plus jamais je te laisse seul. Ah bah, ça c'est une belle sortie. Ça c'est une très très belle sortie. Ah oui, alors là je sais pas quoi dire. Là c'est très très bien ça. J'aurais bien voulu récupérer les boyaux, mais... Hein, les autres boyaux, là, du loup. Mais franchement, c'est parfait. On a eu ça. Ah oui, on a eu les bois aussi. On va pouvoir créer deux arcs, si on veut. Donc là, franchement, c'est tranquille, hein. C'est tranquillou. Ce serait bien qu'on puisse mettre la radio. Un peu quand on veut. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? Oui, bah les flèches. Ah, à 10% l'arc. Il va falloir faire attention. On pourrait peut-être le mettre de côté. On a tiré deux flèches, c'est 2%, 2% par flèche, je pense. Je crois bien. Le truc, il est à 90%, ça va. Donc, je pense pas qu'il ait perdu en pourcentage. Faudra regarder la vidéo, mais je pense pas qu'il ait perdu. On a 32 kilos. Ça, hop, recycle. C'est cool, hein, le coup du beau temps. On a pu faire du feu sans utiliser d'allumettes. Ça s'est très bien passé. Lire. Je pense qu'on va crafter. Je pense qu'on va faire des flèches. Ça, c'est jamais perdu, ça, en fait. Ça, c'est jamais vraiment perdu. Alors, tac, 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 on a fût de flèche, x7, fût de flèche. Fût de flèche, on va les mettre quelque part, je crois qu'on va les mettre là. C'est fin, hein. J'ai un peu peur de les perdre. Ah,
Ouais, non, on va les ranger, les flèches. J'ai peur de les perdre, je sais pas pourquoi. Fût de flèches. Ça pèse pas lourd. Voilà, cuir séché, fût, plume, tissu. Très bien. On va voir s'il n'y a pas des plumes. Faut qu'elle se fatigue en fait, parce qu'elle n'est pas fatiguée. C'est bien d'avoir aussi le cadavre juste là, franchement. Tous les quelques jours en fait, 2-3 jours je pense, on a des plumes. Donc ça c'est vraiment abusé quand même. C'est vraiment vraiment cool. Fait même pas froid. Pas des gros bois quelque part. Là, je crois qu'il y en avait. Là aussi, il y a un cadavre. Magnifique, cette survie. Magnifique. Oh là. Il fait aussi froid que ça? D'accord, bon là c'était une erreur. Okay. Non, c'est bizarre, pourquoi elle a eu aussi froid? Oh. Ok. Bon là il va falloir qu'on récupère de la vie parce que là on a peut-être un tout petit peu abusé. Ouais, bon là, ok. Bon là, j'ai un peu merdé peut-être. Là, j'ai peut-être un peu tiré la corde. Un peu trop tiré la corde. Par contre, fais voir un peu les vêtements, parce que les vêtements, ils me font un peu peur. 70, 76... 35, 60... Ça va. Peut-être les bottes, faudrait les... Ouais, peut-être que... Je pense que si on répare tout, on gagne 1 ou 2 degrés, je pense. Ouais. Peut-être. Ah oui, ça faudrait le jeter. On va poser la viande. On va tout manger. On va tout manger le poisson. Mangeons. Moi, ce que j'aime bien, c'est le saumon. J'adore le saumon. Si vous voulez m'inviter un jour, faites du saumon. J'adore. Alors, on est au max. On est au max. 1 kilo pour 500. C'est tellement pathétique. C'est tellement merdique. Ah ouais, non, mais le poisson, il faut vraiment pas le prendre pour vadrouiller, hein, pour faire de l'aventure. Non, 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 non. Oh, là, tu laisses tomber, quoi. Tu sors, t'es à 50 kilos de poisson, t'as 3000 calories à peine. Un truc de fou. Ça sert pas vraiment à avoir plusieurs morceaux de viande, hein, au final, hein, la façon dont je le fais. Après, bon, si on est attaqué par plusieurs loups d'affilée, oui, de toute façon, j'ai des tout petits morceaux de viande, moi. 0,10, 0,9, 0,11, la 0,23, c'est le plus gros. Donc, voilà. Ça prend pas de place, mais bon. Allez, 11h, on va essayer de récupérer un peu la vie, parce que là, c'est un peu la merde. Mais sinon, très bonne journée. Et on se lève. Eh ben alors, Torres, t'as rien à dire, pour une fois? En tout cas, on se lève. Bienvenue à Hawaï, où il fait chaud et on a de la neige. Je sais, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Donc, il fait presque jour, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a à faire? Eh ben, pas grand-chose.
Pas grand-chose. Je pense qu'on va se préparer. Alors, ce que je vais faire, je pense, j'en ai un peu discuté à droite à gauche, hein, sur le Discord. J'ai un Discord au passage, hein, si vous êtes intéressé. Et j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit que nous allons cartographier tout ça, toute cette zone-là. Donc, il va falloir. Enfin, les zones importantes, ce sont celles-ci que je vais présenter. Donc, tout au bout des rails, donc il y a la sortie de la zone en fait, je veux la mettre sur la carte. Et après, entre ces deux points-là, si je ne me trompe pas, il y a la grotte et je veux aussi la mettre sur la carte. À moins que la grotte soit là. J'en sais rien. Donc, je veux trouver ça, je veux cartographier ça et je veux vadrouiller dans ce côté-là. Parce qu'on n'y est pas encore vraiment allé. Donc, je veux faire ça. Et aussi, il va falloir récupérer en fait pas mal de bois. Et c'est ça notre plus gros problème. Là, c'est un peu emmerdant parce que je ne vois rien. Bâton. J'espère que je les dépose bien. Voilà. Donc, je veux récupérer pas mal de bois. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va falloir. Enfin, je pense, je voudrais, dans l'optique, c'est crafter. Je vous avais déjà parlé du coup des. Attendez, je vais juste regarder l'inventaire. Je vais d'abord regarder l'inventaire, puis après je vais expliquer ce que je veux faire parce que si j'y arrive pas. Là, le cerveau, il veut pas faire deux choses à la fois. Ça, faut le virer parce que c'est 23, c'est trop lourd. Alors que ça, c'est 0,10, ça va. Mais ça, c'est trop lourd. Faudra le virer. Là, on est bon. On a ça, ok, on est bon. Ok. Ça, il faudrait l'échanger. Est-ce que je peux trouver l'établi? Établi. Tiroir. Yes, on est bon. Ok. Alors, plume. Tissu. On en garde 5 tissus parce qu'avec les tissus, on peut faire des igloos si vraiment on a un problème, vous voyez? Donc, les tissus, on les garde. Ça, on les garde aussi sur. Ok, c'est bon, on se casse. Ouais, on y va, on y va. Donc, je vous ai dit, j'ai parlé de la forge et que je voulais vraiment aller crafter des choses. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, par contre, il va falloir aller là-bas. Il faut que suivre les rails. Il fait un peu froid. Moins 28, c'est pas le top. Mais voilà, bref. Et je me suis dit, alors on va crafter au moins 10 têtes. Non, 20, 20 têtes. 20 têtes de flèches. Je me suis dit, alors donc déjà, c'est 20 têtes, c'est à peu près, c'est la moitié, c'est 10, parce qu'on en fait 2 à chaque fois, donc c'est 10 morceaux de métal. Et je me suis dit, on peut faire ça, puis après revenir, et après plus tard refaire les outils, parce que les outils, il faut vraiment qu'on les fasse. Par contre, je vais peut-être. Ça fait 1h30 à l'extérieur, ouais, non, ça va faire trop froid, je vais perdre trop de vie. Non, on va y aller normalement, on va juste visiter un peu. On va peut-être se réchauffer à la cabane du trappeur. Et du coup, je me disais, en fait, on a un problème, c'est pour atteindre les 150 degrés. Parce que pour la forge, il faut 150 degrés. Et pour ça, il faut des charbons. C'est le plus facile, c'est le plus rapide. Parce que sinon, c'est genre mettre 150 bouts de bois. Ça, je l'avais déjà expliqué, c'est un peu abusé. Donc, il faut du charbon. Et le charbon, on n'en a pas. On en a quoi? 2 à la base que j'ai trouvé près d'une montagne. Et le problème, c'est qu'on va devoir faire avec le charbon qu'il y a là-bas. Et normalement, bon, normalement aux forges, il y en a toujours. Hein. Vous vous rappelez, la première forge qu'on est allé, il y avait quand même beaucoup de charbon. Au final, on en avait beaucoup plus que nécessaire, donc ça s'est bien passé. Et là, je suspecte, j'espère que c'est exactement la même chose. Mais c'est possible que non. Mais en tout cas, je pense pas qu'on va avoir assez de charbon pour monter la forge 2 fois à 150 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Donc en fait, je pense, je dirais dans l'optimal, pour éviter les problèmes, les complications, ça va être de la faire en une fois. Donc faire les pointes des flèches et les deux outils. Les deux outils, je crois que c'est 4 heures chacun, un truc comme ça, c'est très long. Les pointes de flèches, ça doit être 1h50, un truc comme ça, ou 1h30. Donc ça va prendre du temps. Tout ça va prendre du temps. Par contre, on n'a pas assez de vie. Hein. C'est embêtant, j'aurais bien voulu récupérer un peu plus de vie. Il fait quand même très froid. Là, on va se bouger un peu. On va aller se réchauffer à la cabane du trappeur après. Donc voilà, donc je pense que la façon la plus sage et la meilleure à faire, c'est de le faire en une fois. Donc on va devoir rester
et camper un bon moment là-bas. On va devoir rester plus sûrement une journée au moins. Donc c'est un peu ça le problème. Je pense pas qu'on va dessiner maintenant parce que j'ai quand même pas de vie. Je dois avouer que j'ai vraiment pas de vie du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vite se mettre à l'abri et après on va cartographier. Parce que là, ça fait un tout petit peu peur. Regardez ma vie, ça descend un peu trop. Peut-être vers midi, il fera plus beau. Tiens, on va voir si on trouve la grotte. Genre vite fait, comme ça. Donc voilà, donc pour moi, pour l'optique, c'est de faire ça. C'est de le faire en une fois. Alors, on va prendre le sac de couchage. Mais, si je me rappelle bien, il y a un lit à côté de la forge. C'est là qu'on va aller. Et elle est à l'extérieur. Le problème, c'est qu'elle est à l'extérieur, en plus. Alors, c'est un peu chaud parce que l'extérieur, il fait très froid. Après, bon, il y a le lit. En plus, je suis quasiment sûr qu'il y a un lit. Et avec la chaleur de la forge elle-même, ça passe. Mais voilà, quoi. C'est pas facile, facile. Et c'est pour ça que si on l'a fait en une fois, il va falloir un feu qui dure au moins, je sais pas moi, 20 heures minimum, sans deck. Parce que si on compte le fait qu'on va crafter et on va être fatigué, donc on va devoir dormir, on en est pour genre dormir au moins 5 heures, je pense qu'il nous faut au moins un feu de 15 heures, 20 heures. Hein. Donc on va devoir... on va vraiment devoir y aller avec... avec beaucoup de bois en fait, je pense. Et après, on va devoir trouver le bois aussi là-bas. On va peut-être faire un petit tour. Il faudra que je prenne beaucoup de nourriture, je pense. Comme ça, on va rester quelques jours là-bas. Et comme je disais, on va récupérer du bois, on va faire ça, machin, etc. Pour l'instant, je trouve pas la grotte. Je sais pas exactement où elle est. Alors peut-être qu'elle est encore plus proche de ce côté. Regardez-moi les couleurs bizarres des fenêtres. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a foutu de la lumière bleutée. Super étrange. Ah ! Oh yes ! Ah, j'espère qu'elle est... Yeah, il fait assez chaud. Cool, 15 degrés, pas mal. On va se réchauffer ici du coup. Enfin, je comptais aller dormir en fait, genre une heure, pour se réchauffer, récupérer un peu de vie, mais bon, c'est peut-être pas très très utile. J'espère que vous voyez. Ouais, c'est pas très très sombre non plus. J'ai pas de lampe, hein. Non, j'ai pas de lampe. J'espère de ne pas me perdre. Mais quand vous voyez quitter le lac mystère, c'est bon signe, ça. C'est bon signe pour changer de zone, en tout cas. Alors, attendez, alors, on va d'abord aller là. Ok, cul-de-sac, d'accord. Intéressant. J'espère que vous voyez, je sais que c'est un peu sombre, mais... j'ai pas de lampe. C'était pas prévu, en fait, de la trouver comme ça, là, la grotte. Elle est vraiment à côté de la... Elle est vraiment à côté de la cabane, en fait. Hein. C'est énorme, hein. C'est vraiment cool. Donc on va pouvoir complètement camper à la cabane avant de partir pour Milton. Ça va être très très simple. Oula. Pour le moment c'est une ligne droite. Enfin, en tout cas il n'y a pas de bifurcation, il n'y a rien. Donc ça va. Pour le moment c'est juste droit. Ça nous réchauffe comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que la grotte est chaude et bien protégée. Alors, attendez, je regarde juste si j'ai pas loupé un... Oh, il y a un feu. Un feu de corps. Il n'y a pas de charbon. On peut faire un feu ici. Du coup, je regarde s'il n'y a pas des... Ah, charbon. Parce que des fois, s'il y a un feu de corps, ça veut dire peut-être qu'il y avait quelqu'un ici, etc. On peut peut-être trouver des choses. Risque d'hypothermie est parti. Ah, la petite musique à la Carpenter, j'adore. Ah, la nuit dernière, je me suis retapé les films de John Carpenter, là, les New York 1998 et Los Angeles 2013, je crois.
Je crois, enfin ça c'est les noms en français, les vrais noms en fait c'est Escape from New York et Escape from Los Angeles. Très très bon film, vieux mais très très bon film. Et si vous aimez Metal Gear Solid, ça va aussi pas mal vous rappeler ça. Parce que le personnage en fait Solid Snake est tiré de Snake Plissken de John Carpenter. Oh, je crois qu'on arrive à... la sortie. Je vais voir si on peut pas dessiner à la sortie. J'espère qu'on va avoir... On va être protégé du vent et qu'il va faire chaud. Enfin, chaud, c'est une façon de parler. C'est toujours une façon de parler hein, quand on dit chaud dans le jeu. Ah, merde. Je voudrais être protégé du vent, déjà. Vas-y, fais voir un peu. Ok, cool. Alors attends, c'est quoi ça? Yes, c'est Milton! Yes, c'est le pont qui va à Milton. À droite. Oh putain, merde, on peut pas avoir à droite. Je suis quasiment sûr que c'est Milton. Normalement, elle est à droite derrière, je dirais. Ok, ok, ok. Je pense, hein. Ah, ça, enfin, c'est des rails ou une route? Attendez, peut-être que je dis des conneries. Non, c'est une route. Non, une route, c'est bon. C'est Milton. Quitter la région de Milton. Oui, ça, je le sais. Mais je pense que Milton est juste là, du coup. Faites voir un peu. Ça va aller charmante. Non. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça nous dit pas le nom, par contre. Il y a des massettes. Et je pense que la ville, elle doit être là, du coup. Parce que je me rappelle qu'il y a un pont. Hein. On avait fait là l'histoire. Il y a un pont qui va à Milton. Ah, c'est cool. Bon, bah, on est bon. On est bon, on est tranquille. Par contre, j'avais pas regardé... Ah, putain, j'ai que 1 litre d'eau. Merde. Ok. On va peut-être pas trop traîner non plus. Bon, le charbon, c'est cool. Ça va nous aider. Chaque morceau de charbon nous donne du temps et de la chaleur en plus, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est bien, on fera escale dans cette grotte. Hein. Et après, une fois qu'on sera prêt, on peut même venir et poser de la nourriture ici. Même faire ça. Si on veut vraiment se préparer, hein, on pourrait faire ça. On pourrait complètement venir avec de la nourriture déjà, la déposer et la prendre quand on partira. Genre comme ça, on n'utilise pas nos ressources en fait. Ça peut être pas mal. Hein. En tout cas, la grotte, elle est très simple, ça va. On a, franchement, même dans la nuit, je pense que je peux me repérer. Parce que c'est que des lignes droites. Après, il y a un ou deux cul-de-sac, mais c'est tout. Yeah! Alors, par contre, on a un peu froid. Ou alors, on va dormir. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut passer du temps ici, vite fait? On peut pas faire ça, on a pas assez. Ah, lire, peut-être. Lire. Une petite heure, je pense. Voilà. Comme ça, quand on sort, je vais pouvoir la dessiner et après on va directement là. Attendez, on se met. Voilà, on se cache. Okay, très bien. Voilà, maintenant on a la grotte. Est-ce qu'il a dessiné, enfin est-ce qu'elle a dessiné aussi les cerfs? Non, elle a pas dessiné. Ah, il y a une carcasse, oui, mais... Pourquoi il y a des corbeaux? Okay. Oh, il fait beau, mais t'es sérieux? On va même pouvoir faire d'un feu maintenant. Enfin, ça va pas vraiment servir, on est d'accord, mais...
On peut. Cabane du trappeur. Et voilà. Et voilà, voilà. Bon bah, ça se passe bien. Alors, on va voir un peu la carte. Donc la grotte, elle est là. Donc c'est très bien. Il va falloir dessiner ça. Donc c'est quoi le plus rapide? C'est ça ou ça? Parce que je veux dessiner l'entrée pour choisir. Est-ce qu'on va comme ça ou on va comme ça? Je pense que la cabane du trappeur est plus proche. Oui. Je dirais la cabane du trappeur est plus proche. Mais je veux voir si c'est plus là ou si c'est plus là. Donc on va voir ça. Alors, bah du coup, je pense qu'on va laisser notre bois ici. Je pense. Non, attendez. Parce que du coup, si on vient ici, bah, pas besoin de... On peut déjà faire un petit plein de bois dans cette cabane, vous voyez ce que je veux dire. Donc on fait ça, ouais, c'est très bien. On peut casser du bois. Voilà. Il faut boire un peu. On pourrait faire du feu à l'extérieur, ce qui fait beau. Mais je pense qu'on va rentrer. Un seul? Attends, t'es sérieux? Ah ouais, ok. Un seul en fait. Voilà, ouais, on a même pas à manger. Enfin, j'ai fait le con. Je suis un peu parti à l'arracher en fait. J'aurais pas dû faire ça. J'ai pas de viande, on n'a pas de vie, on n'a pas d'eau, on va tout simplement rentrer. Parce que là, à moins que je fasse un feu à l'extérieur, à côté de la carcasse peut-être, s'il reste de la viande. Mais ça m'étonnerait qu'il reste de la viande. Comme ça on passe la soirée ici. Bon après on peut toujours chasser hein, les trucs qui sont juste là, mais on va pas commencer à tuer tout ce qui bouge et... On n'est pas des braconniers, on est là pour survivre, on n'est pas des braconniers. Putain, il y en a 3 en plus. Parce que si on les tue maintenant, ça va faire énormément de bouffe. Si on accumule avec ce qu'on a déjà à la base. Et on va pas faire ça quand même. Non, la carcasse, elle y est plus. Mais ça, c'est bien qu'il y ait des trucs là. Parce que quand on ira à cette cabane, du coup, on pourra même chasser. On aura pas. Oh putain, il y en a partout, ça tue. Attends, les corps... Ah, ils sont là. Comme ça, c'est le cadavre, on l'a déjà fouillé. Ouais, on va rentrer, parce que là, on va sprinter, rentrer. Ce qu'on va faire, parce que je vais perdre trop de vie. Donc, je vais sprinter, rentrer, elle va être fatiguée, c'est pas grave. On va dormir le reste de la nuit. Et qu'est-ce qu'on va faire, en fait, pour se remettre? On va pêcher, je pense. Ou alors, s'il fait vraiment pas froid, on va continuer un peu. On va encore marquer la map, hein, comme ce qu'on faisait là, maintenant. On verra. Mais je pense que si la nuit est froide, on va tout simplement pêcher. Je crois que dans un sens, ce serait mieux de pêcher quand il fait jour, parce qu'on peut faire tellement de feu facilement avec la journée. C'est embêtant, hein, ce le problème. Hein. Alors, on va sûrement explorer encore un peu. Il y a plein de bois, là. Je crois que c'est là où on a tué les deux loups. Non? Ouais, je me rappelle. Oula, je commence à faire un peu le con là. Ouais, c'est bon, on est sur la bonne direction. Mais ça va nous coûter un peu cher. Ça nous coûte
coûter un peu cher en vie. Ah, ça aussi, il faut le dessiner, ce passage-là. Avec les troncs d'arbres, parce que des fois, il y a des... Ah, des champignons, donc ça serait bien de les avoir sur la map, comme ça, si jamais vraiment on a besoin, on pourra juste simplement regarder la map et dire « Ah, tiens, il y a des champignons là-bas, allons les prendre. » Oh, I could eat anything right now. Oui, 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 oui. Elle va devoir manger comme une porcasse. Il fait moins 21 encore. Il a fait tellement de tempêtes, les morceaux de bois qu'il y a, c'est incroyable. Il y a partout de bois. On va voir s'il n'y a pas des plumes au passage. Ça, c'est bien. Là, c'est pas très très loin, on voit d'ici. À la limite, ouais, à la limite, c'est plus près là que là-bas. On verra ça. On verra ça sur la map. Oh la vache! Le truc qui pop devant moi, quoi. Bout de bois. Le bout de bois est tombé, il a failli m'écraser la tête. Alors, on va déposer le bois. Déposer ça. On a deux charbons, on les utilisera. Il faudra aussi faire des arcs. Les flèches, on les fera plus tard. Tac, 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 tac. C'est bien. On a des pots. Je pensais peut-être à réparer mes bottes et tout ça. Enfin, on peut attendre. Je crois que c'est 60% quand on les répare. Réparer, quantité à réparer. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 60% en une fois. État 60. Bah, c'est, du coup, ça dirait 40, non? Quantité à réparer. Non, ok, attends. Attendez. On va voir. Parce que si c'est que 30, bon, on le fait maintenant. 30%. Change de réussite 85, novice 30%. Ah, bah apparemment j'ai dit une connerie. Bah on va le réparer maintenant alors. À manger. Ah, on va le réparer ça maintenant, puis après on dort. Comme ça, ça nous évite de... Ça nous évite de... De trop nous fatiguer en fait. On va faire ça. Il va falloir quand même chasser à un moment. On a quand même plus trop grand chose. Enfin, ça part à une vitesse. Quand on essaye de maintenir notre vie à 100%. Enfin, déjà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, apparemment. Mais à faire, mais ouais. Et on peut réparer ça n'importe où. Et il fait encore jour. Donc, on va faire ça. Donc, bottes de 60%. Elles sont à 60. 1.5. On va voir un peu ce que ça donne. On va utiliser ça, comme ça on finit quoi. Voilà, 92.2. Ah ouais, quand même. Alors ça aussi on va le réparer du coup. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Lapin, on en a. Je crois qu'il y a une tempête qui s'est levée. On a bien fait de rentrer. 1.3. Ta-da-da-da. 1.9, très bien. 94. 90. Maintenant, je pense que...
On va réparer... J'ai plus de boyaux, tout ça, j'ai tout utilisé, on est d'accord. Je pense qu'on va réparer... ça, le reste des affaires en fait. Enfin je sais pas, après c'est pas vraiment utile, 34%. Parce qu'en fait on les répare facilement ça. Donc à la limite on peut garder le tissu de côté, vous voyez ce que je veux dire. Définitivement cassé, c'est bien. Réparer. On va prendre ça. Normalement les boîtes à couture je les garde pour faire les gros vêtements. Ah, échec, super. Je les garde pour faire les gros vêtements, comme ça ça va plus vite. C'est bon? Non, ça va pas marcher. Parce que sinon ça double le temps, donc c'est un peu la merde quoi. Ok, très bien. Pas vraiment besoin. Ouais, 70% on garde. À chaque fois c'est un tissu. Si je commence à nettoyer tous les trucs. Enfin, nettoyer. À réparer les trucs aussi vite tout le temps, ça risque de me foutre dans la merde. Parce qu'après, si on n'a plus de tissu, le tissu on ne le fabrique pas quoi. Le tissu, on ne le fabrique pas. Pourquoi t'es à 1% et t'es cassé? C'est marrant ça. Faudrait une poubelle. Faudrait une poubelle. Voilà, voilà. On a l'arc. Ouais, bon ben... On va se balader encore. Peut-être encore regarder vite fait si on peut pas récupérer un peu plus de bois, je dirais. Ouais, il y a une tempête. T'es sérieux là? t'appelles ça une tempête? Moi j'appelle ça les Bahamas. J'appelle pas vraiment ça une tempête. Oula. Ok, fais le con. 1h30, c'est peut-être un peu beaucoup. J'aurais dû faire peut-être 1h. Je pense qu'on aurait pu le finir, mais... je pense que j'en serais mort. Aussi, peut-être, possible. C'est très... Je fais que des conneries en ce moment. C'est la deuxième fois que je fais... Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux utiliser la scie, en fait. C'est ça, je veux utiliser plus la scie que la machette. Parce que la hachette, j'ai dit machette, mais la hachette, c'est dur de la maintenir. Alors que la scie, c'est très facile de la maintenir en bon état. Quel con, quel con, quel con. Eh ouais. Ça, on va le prendre. Oh putain. J'ai quoi? J'ai combien? 11% de vie, quoi. Je pense que si j'avais... fini de casser, alors il y a une chance que je sois mort de froid, ou alors elle serait dans le rouge et tout, elle tituberait et tout machin, ce serait horrible quoi. Je pense qu'il y a une grande chance que ça soit fini comme ça en fait. On va dormir, on va dormir. C'est un peu con ce que je viens de faire. Mais pas grave. Je pense qu'on va aller pêcher comme j'ai dit, ça passe le temps et c'est très safe en fait. On va voir. Manger ça. Allez, je déciderai. Je déciderai. On verra comment on est. On devrait prendre, franchement, on devrait prendre une tisane. Mais bon. On va dormir 11h et on va voir un peu ce que ça nous donne.